programme Pirata, c'est des bouées météo-océaniques qui sont en plein océan Atlantique tropical. Et ce programme est tenu depuis 1997 avec le Brésil, les États-Unis. On a 18 bouées sur l'ensemble de l'Atlantique tropical. Et nous, côté français, on en gère 6 dans le golfe de Guinée, l'Atlantique central, tropical sud aussi. Et on gère aussi des mouillages courantométriques le long de l'équateur. Alors, on mesure le courant avec des appareils qui mesurent le courant par effet Doppler et qui sont immergés pour 2 ans. Et ça permet d'avoir des mesures de courant à l'équateur qui sont très importantes, notamment le sous-courant équatorial. Donc ça, c'est fondamental de suivre tous ces paramètres grâce aux bouées météo-océaniques et aux mouillages courantométriques. Puisqu'on a des mesures maintenant depuis près de 20 ans, 25 ans pour les mesures de vent, de météo et hydrologique, et donc de suivre également l'évolution des changements et des bouleversements climatiques au niveau des échanges océan-atmosphère en Atlantique tropicale. On met en œuvre 6 mouillages ancrés jusqu'au fond qui permettent de surveiller en temps réel la température et la salinité des couches superficielles des océans tropicaux. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une campagne océanographique, on va décrire l'océan à un instant T, mais on n'a aucun moyen de pouvoir suivre cette évolution si on ne laisse pas un bateau sur place. Donc les mouillages vont permettre de pouvoir surveiller, monitorer l'état des océans à des endroits particuliers et caractéristiques pendant les 365 jours où ils vont rester en place. Les mesures qu'on réalise, nous, c'est essentiellement des mesures de physique et de chimie. Donc on va faire des mesures de température, salinité, oxygène, sel nutritif, de façon à décrire les structures des océans tropicaux qu'on étudie. Donc on met en œuvre des bâtissondes pour faire les mesures de température, salinité, avec des capteurs redondants qui sont très précis. On va faire des mesures jusqu'à 6000 mètres, suivant les objectifs des campagnes. Nombre de variables qui sont étudiées depuis maintenant des décennies en fait, dans le cadre de recherches océanographiques. Et donc ces variables peuvent être par exemple les éléments nutritifs. Je parle des silicates, nitrates, phosphates. L'oxygène dissous, qui est une des variables importantes qui peut être donc mesurée lors de campagne. On mesure également le pH marin, qui fait partie de ces thématiques sur l'acidification des océans. On a donc une HPLC également pour mesurer donc les pigments phytoplanctoniques. Donc voilà en gros les paramètres communs qu'on analyse à bord des bateaux ou à terre. Des variables qui sont devenues maintenant des variables essentielles à la compréhension du fonctionnement des écosystèmes marins. Ces paramètres permettent aux chercheurs d'identifier des masses d'eau, par exemple, ou de voir l'état écologique d'un écosystème marin. Ces navires ont des lignes régulières dans le temps, dans l'espace. Par exemple, on a des lignes historiques entre l'Europe du Nord, l'Afrique du Sud, Europe du Nord, Amérique du Sud, Europe du Nord, Groenland. Ça nous permet d'avoir un suivi très régulier, toujours aux mêmes endroits, mais un peu décalé dans le temps et depuis 40 ans, de température, de la salinité. Il y a toute une première partie qui est l'installation à bord, qui peut prendre quelques jours ou quelques semaines. Ensuite, périodiquement, quand le bateau revient en escale en Europe, généralement c'est au bout de 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, notre travail consiste à faire la maintenance du matériel, récupérer les données qu'il y a à bord, donc nettoyer les capteurs, vérifier qu'ils fonctionnent bien, discuter avec l'équipage, et ça c'est important parce que c'est eux qui suivent le matériel jour après jour, c'est eux qui font des prélèvements d'échantillons. On participe aux études sur le changement climatique. Donc là, pour la température, ça paraît évident, on mesure l'évolution de la température. Pour la salinité, c'est un peu indirect. En fait, la salinité permet de mesurer le flux d'eau à l'interface océan-atmosphère, le flux d'eau douce, et donc on accède au bilan évaporation-précipitation par le biais de la salinité. Et les mesures de pression partielle de CO2, de la même manière, sont effectuées aussi bien dans l'eau que dans l'air. Et ça nous permet de calculer le flux de CO2 à l'interface océan-atmosphère, et de savoir globalement combien l'océan peut capter de carbone en son sein.